be what you is, you gotta be what you are. Only thing I'm missing is a black guitar. I'm a rock star. Hey, baby, I'm a rock star. Hey, baby. Ouais, j'ai eu peur parce que quand t'es coincé, c'est coincé. Mais là, tu sais que quand j'ai pas tapé dessus fort avant, j'ai tapé le cul. Quand je l'ai mis tout vrai à mes endroits, tu vas aller repartir. J'ai tapé à la sonde, c'est vibré. Peut-être que t'avais pas assez travaillé aussi. Johan, un succès pour Valdis de Mars? Oui, c'est très bien. C'est une jument régulière qui fait toutes ses courses, ça mérite un coup de temps en temps gagner une belle course comme ça. Ouais, elle donne toujours le meilleur d'elle-même et finalement, elle apprécie les combats. Oui, voilà, c'est une bagarreuse, elle rechigne pas le boulot. Non, c'est une bonne mère. Voilà. Non, c'est très bien. Vous formez un bon tandem. Oui, voilà, moi aussi j'aime bien le travail, donc on s'entend bien. Oui, bah, cette fois-ci, elle gagne. Est-ce que c'était une victoire attendue? Bon, on espère toujours. Hein. Maintenant, quand on fait le papier, on se dit que finalement, on va se contenter de la 2e-3e place. Et la faute donc de vision intense au début, ça facilite la tâche. La jument a été bonne une nouvelle fois. Ouais, c'est vrai, de ce côté-là, elle est irréprochable. Elle a fait son parcours. Bon, tant pis pour ceux qui ne le font pas, hein, mais elle l'a volé à personne. Est-ce que tu t'attendais à une telle performance? La dernière fois, sa course était mi-figue, mi-raisin, sans être mauvaise. Voilà, elle était en fin de meeting, peut-être un petit peu fatiguée. Johan avait peut-être fait un petit peu fort, donc tout ça confondu. Mais après, on a fait un petit break. En entraînement, moi, je la trouvais bien, mais maintenant, on n'est jamais certain. Il n'y a rien de tel que les courses. L'heure est courue, il y a une quinzaine de jours, j'aurais été sûr de mon fait. Maintenant, je suis arrivé un petit peu sur la pointe des pieds en se disant, bon, si on est 3-4, mais en espérant au fond de moi que peut-être que... Est-ce que Atlé, elle a une petite classe? Non, Atlé, elle manque de vitesse de base pure, elle manque de maniabilité, surtout en partant. Donc je pense qu'Atlé, on va courir Atlé parce qu'on ne peut pas faire une carrière que montée. Mais je pense qu'il faudra uniquement la regarder courir. Mickaël, Vorian, deuxième. Est-ce que c'était une performance attendue tout d'abord? Parce qu'elle a quand même fait une super valeur aujourd'hui. Elle manque de gagner. Bah écoutez, 10 mètres de plus, je pense qu'elle a gagné. Je l'avais travaillé, monté, on est quoi là? On est samedi. Au début de semaine avec Cédric Théry sur les programmes de Sainte-Marie-du-Mont. Et ça avait bien plu, moi. Et puis les deux dernières courses attelées étaient vraiment bonnes, dans des bons lots. Écoutez, vision intense partie au galop. Après, voilà, hein, y avait le Groussard. Et puis, bah voilà, les secondes de ces chevaux-là. Donc, l'avenir est pour elle. Demain, part au champ. Voilà. Qu'est-ce qui t'a décidé à la courir monter? Bah les gains, hein, à ce niveau-là, c'est compliqué à atteler. Puis bon, c'est quand même une jument qui a couru mais tout l'hiver. Voilà, quand ils ont des gains comme ça, c'est plus simple, il va monter, mais encore faut-il qu'ils aillent monter. Donc elle va monter, donc maintenant on est bien garé. Hein. Voilà, c'est tout. Alors elle part au champ, la suite de son programme, ça, on attend l'hiver prochain? Ouais, on va préparer l'hiver prochain et puis courant août, septembre et s'amuser, je sais pas moi, sur l'herbe, dans les grandeurs nationales du trot ou un truc comme ça. Bon, je sais pas, j'ai pas trop de plans. C'est que du bonheur? Bah c'est que du bonheur, acheter, réclamer et faire ça, moi je dis chapeau. Hein.